Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse à toi si tu as moins de 30 ans et que tu m'écoutes. J'ai un petit message, moi, j'ai une contribution à te donner aujourd'hui en fonction de mes expériences. Bon, quel sera ton premier investissement si tu commences à débuter dans les affaires? Bon, tu vas constater que déjà ici, nous sommes déjà en train d'investir. Bon, si tu as moins de 30 ans, et que tu n'as pas un riche papa, tu n'es pas héritier, tu n'as pas gagné au loto. Tu vas d'abord comprendre que tu vas commencer d'abord par te battre toi-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire te battre, c'est-à-dire quoi? Tu vas commencer à te garder une certaine sécurité. Maintenant, après la sécurité, tu vas commencer à investir. Ne commence pas à investir au début quand tu n'as pas les moyens. C'est compliqué, vous voyez, même pas compliqué, c'est difficile. Voilà, c'est-à-dire tu vas d'abord accepter qu'on t'exploite, tu vois, et pendant qu'on t'exploite, tu vas commencer à apprendre. Quand tu apprends, ça veut dire que plus tard tu pourras investir. Mais maintenant, ici je vais te parler sur quoi investir si tu as moins de 30 ans. Quel sera ton premier investissement? Si tu as moins de 30 ans, n'est-ce pas, ton premier investissement, ce que moi je te recommande, c'est que dans cette période-là, si tu fais un mauvais investissement, ton premier investissement, ça va te rattraper à la fin. Ça dit quoi? Je me répète bien. Si tu fais un mauvais investissement, ça va te rattraper à la fin. Ça dit, si aujourd'hui tu prends ton capital, tu mets dans une valeur qui n'est pas sûre, plus tard tu vas payer le prix. Je vais te dire une chose. Plusieurs personnes se font du raccourci. Ça dit quoi? Ça dit, ils trichent. Ils ont un peu de moyens, ils achètent un terrain, ils construisent une maison. Quoi? Ça, c'est le raccourci. Ils veulent être chez eux rapidement. Mais en tant que S-banquier, que moi je constate, c'est que quoi? C'est que la plupart des gens qui ont une maison l'achètent à crédit. Ça, c'est d'abord le compte que je constate. Et quand tu achètes une maison à crédit, que tu habites à l'intérieur, ça veut dire que tu n'as pas compris la notion d'intelligence financière. Tu ne comprends pas encore comment gérer ton propre argent. La maison, tu vois, les maisons, les voitures, les choses qu'on utilise personnellement, c'est les choses, ce ne sont pas les choses qu'on achète à crédit, tu vois, c'est les choses qu'on achète cash. Mais plusieurs personnes font le contraire. Moi, si je ne veux pas juger. Ici, je vais te donner juste un petit conseil. Comment commencer ton premier investissement? Moi, je te conseille quoi? Ton premier investissement, si tu veux commencer à te lancer des affaires, ça doit être un investissement de production. Tu vois, ton premier investissement que tu peux faire, produit. Quand tu produis, tu pourras consommer plus tard. Si tu prends un investissement à la consommation, demain pour produire, les charges seront déjà là. Et quand il y aura les charges, tu auras la difficulté. Aujourd'hui, si tu vois que j'investis dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 valeurs réalisables, c'est parce que pour le moment, je suis encore libre. Libre veut dire quoi? Je n'ai pas des grosses charges. Et toutes mes charges sont mesurées en fonction de mes entrées. Tu vas comprendre ça. Tu vas savoir comment calculer tes entrées et pouvoir engager une charge. Tu vois, combien tu loues ta maison? Combien d'enfants tu as en charge? Combien de femmes tu as à respecter? Il y en a les hommes qui en ont plusieurs. Tu vois? Je parle par exemple de mon papa, que quand il voulait faire du mal à ma maman, il disait, je vais épouser une deuxième femme. Moi, étant jeune, je ne comprenais pas. Je me disais, mais on n'arrive pas à sortir la maison, on n'arrive même pas à bien manger. Papa, au lieu de chercher à trouver une solution, comment augmenter le portefeuille, augmenter la table familiale, il pensait plutôt à engager notre charge. Parce que alors, il me tuait. Est-ce que moi, je me disais, quand j'étais gamin, quand j'avais 8 ou 9 ans, quand mon père menace ma maman à épouser deux femmes. Toi, ne fais pas ces bêtises-là, tu vois. Tu n'as pas besoin de ça. Pour aller rapidement, pour atteindre ta vitesse supérieure, c'est qu'il faut être libre. Tu vois, quand tu es surchargé, tu ne peux pas atteindre pleinement ta vitesse. Tu vois, quand tu es libre, c'est bon. Ce n'est pas pour dire que tu ne vas pas. Il y a les charges, tu vas te priver. Tu ne peux pas te priver, mais si tu veux investir pour un départ, moi, je te conseille. Prive-toi, ok? Accepte qu'on t'exploite d'abord. Travaille pour n'importe quoi. Je te dis, il faut avoir un complexe pour le départ. Cherche l'argent. Cherche ce qui va donner l'argent. Après, quand tu vas trouver la possibilité, maintenant, pendant ce temps, quand tu travailles pour l'argent, ne travaille pas uniquement pour l'argent. Forme-toi. En te formant, en travaillant pour l'argent, tu auras d'autres idées. Si tu penses aujourd'hui que je vais créer ma propre banque, c'est parce que j'ai été ex-banquier. Tu vois, pendant que je travaillais pour la banque, je travaille pour l'argent, bien sûr, mais j'étais en train de développer les compétences derrière pour voir comment ça marche parce que ça donne de l'argent. Tu vois, il fallait que je cherche comment faire pour avoir ma propre banque. C'est pourquoi je dis au demain, j'ai envie de créer une banque. Donc, si tu as un travail aujourd'hui, si tu es chef mécanicien, tu es mécanicien,
passes à travers, tu comprends bien la mécanique. Et demain, tu sais que tu vas lancer ton propre garage ou ta propre entreprise qui va embaucher un mécanicien. Tu vois, c'est comme ça que tu vas commencer. Mais le départ, ce que moi je te demande, c'est que n'investis pas directement dans la consommation pour un départ. Pour un début, ton premier investissement, si pour un début, ton premier investissement est production, tu seras inarrêtable. C'est-à-dire que même quand les charges vont venir, les charges vont juste venir diminuer le petit bénéfice que tu feras. Tu vois, mais si tu n'as pas ça, c'est-à-dire que les charges vont venir te pousser dans les découvertes, dans les dettes. Et c'est le conseil que moi je peux te donner aujourd'hui parce que moi je pense que ça peut t'aider, ça peut être capital. Bon, en tant que comme investissement, tu as vu, on essaie de faire dans la filmature, on fait plus la rupture. Je vais te dire pourquoi je fais la rupture dans la filmature. Parce que la rupture est encore le seul business aujourd'hui que tu peux investir pas avec un gros capital. Tu vois, s'il fait une maison avec une maison décente aujourd'hui, il faut dépenser beaucoup de millions. Tu vois, mais avec la nourriture, tu n'as pas besoin de dépenser trop d'argent. Tu peux faire les cultures qui s'autofinancent, tu vois, qui s'autofinancent. Au fur et à mesure, tu augmentes ton cash flow. C'est comme ça. Dans la nourriture, je pense, c'est plus. Bon, je prends une anecdote. Hein. Le monde a changé, tu vois, et le monde change tous les jours. Quand le monde change tous les jours, le conseil que je te donne, c'est que il faut changer le monde. Comme je disais dernièrement dans la précédente vidéo, j'ai un ami qui n'a pas compris que le monde a changé, tu vois. Et il est toujours en train de. À l'époque, il arrangeait les radios, téléviseurs. Il arrangeait ça. Ça passait, ça marchait très bien. Radio, téléviseur. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Et il n'a pas accepté changer le monde. Il est. C'est ça, voilà une radio. Il y a la radio ici dedans. Il y a la radio ici dedans. Lui, donc, qu'est-ce que moi j'ai une radio ici? Ça va me servir encore d'aller acheter les gros pouces de radio pour les produits. Donc le monde a changé. Et lui n'a pas accepté changer le monde. Il est là, il continuera les postes téléviseurs et les radios téléviseurs. Et maintenant, tu vois, au cours de la journée, il ne peut même pas travailler 1000 francs. C'est-à-dire que l'inflation va l'absorber, l'inflation qui est une hausse des prix sur le marché, ça va l'absorber. Et pourtant, s'il avait compris, s'il avait changé le monde, il n'est pas passé tout ça. Deuxième problème, deuxième ami encore, et un ami faisait toujours le cybercafé. Le cybercafé, ça passait à l'époque où les gens, il avait de l'argent, il n'a pas su exploiter, il n'a pas été sage. Bon, aujourd'hui, ça m'étonne encore, il a toujours encore son cybercafé, il dit 1 heure à 500. Mais qui va le payer 1 heure à 500? Et puis, j'ai mon cybercafé ici dedans, j'ai mon internet, si je veux me connecter, même avec mon téléphone, j'ai mon internet partout. Mais, c'est-à-dire, quand le monde change, il faut changer le monde. Mais là où j'ai constaté que le monde n'a pas changé, c'est avec l'agriculture et avec l'immobilier. Ça, c'est les deux valeurs, les deux investissements que moi je fais. Si tu as moins de 30 ans et que tu vas atteindre rapidement, tu veux prendre ta retraite vite, tu vas atteindre rapidement ta liberté financière. L'agriculture et l'immobilier est le meilleur pilier. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tous les jours, les gens accroient, on s'accroît, les gens, on accroche de eux. On va dormir où? On va rester où? On va habiter où? On va manger quoi? Quand tu réponds à un besoin spécifique, tu vois un peu, c'est-à-dire, le monde ne change, ne peut pas t'absorber. Or, le marché a changé. Si moi, je faisais des cybercafés à l'époque, je n'allais plus, j'allais arrêter directement quand je voulais voir un téléphone Android où on a la possibilité d'avoir Internet chez soi. Tu vois? Mais ceux qui font la tête, le monde va vous absorber. Donc, si tu as moins de 30 ans et que tu m'écoutes, je ne suis pas en train de te vexer. Je te donne juste ma part de contribution. Comme tu m'écoutes, écoute, t'encourager. Bon, par rapport à ce que j'ai compris. Parce que franchement, je me sens, j'ai assez de temps que je manque quoi faire avec mon temps. Je m'ennuie. Pourquoi? Parce que j'ai mes investissements qui me produisent de l'argent. Moi, je peux prendre une semaine, je contrôle tous mes biens. A, B, C, D, E, F, G. Oups, c'est. Après ça, je me repose. Il y a les gars qui travaillent pour toi. Les gars qui travaillent pour toi. Ce sont les plans. Les plans sont les hommes, les humains. Ils comprennent comment ça marche. Ils parlent, ils vivent. Ils te produisent de l'argent. Soit tes esclaves, les plantes là. Il faut les exploiter. Que de faire, d'investir, de prendre des crédits. Tu veux montrer à X, Y comment tu t'abuses, comment tu loues un grand appart, comment tu as un salon en cuir. Excuse-moi de te montrer ça. Mais franchement, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas la possibilité, si tu n'as pas les ressources pour entretenir ça, parce que ça demande de l'entretien. As-tu les possibilités? Quels sont tes engagements? Tu vas connaître tes engagements. Est-ce que tu es capable? Tu as qui en charge? Quand tu connais ça, tu ne fais plus n'importe quoi avec ton argent. Et faire du n'importe quoi avec ton argent, c'est aussi même investir. Parce que tu penses que quand il dit du n'importe quoi, c'est forcément consommer, boire les alcools. Non, pas forcément. Si tu mets, tu investis mal ton capital, tu as fait de n'importe quoi avec ton argent.
Et c'est ce que je te dis, tu ne dois pas faire n'importe quoi, tu dois te former. Mais le meilleur pilier, comme tu as dit que je te conseille la culture, si je te conseille la culture, c'est parce que tu peux faire ça avec un petit capital. J'ai des amis en Europe aujourd'hui qui prennent un crédit pour se construire, pour avoir leur propre maison, 20 ans, 25 ans. Je me demande, mais tu prends un crédit de 25 ans pour te construire, pour avoir chez toi à 25 ans. Et ta maison, quand tu es chez toi, le problème c'est quand tu es chez toi, moi je suis locataire, et moi ça ne me dérange pas de louer. Je peux lui-même une maison de 300 000 francs à la fin du mois. Mais j'ai peur de mettre mon capital de 2 millions pour acheter un terrain et le regarder là. Mais je vois beaucoup d'amis qui sont là, ils prennent des crédits de 25 ans en Europe, ils achètent leur maison. Ils vont dire, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, on voit tout ça, ça cadre. Mais non, c'est pas bien. Parce que ta maison que tu as, ce n'est pas ta maison. Parce qu'après même que tu as fini en dessous ton crédit, il y a les actes, les assurances, les taxes que tu vas payer. Donc là, on sort toujours dans tes poches. Tu vois, donc, ta maison n'est pas réellement un vrai bien. Tu vois, c'est un capital, tu peux dire c'est une réserve, voilà, ta maison construit une réserve et que tu peux même perdre ça le temps. Et maintenant que tu perds ton travail et que tu as cette maison à crédit, tu vois, la banque va occuper cette maison. Donc ce n'est pas ta maison, c'est la maison de la banque. Tu vois. Et pourtant, avec le capital que tu as pour mettre la maison là, tu divises ça par 4, ça te mentir, dans 4 ans, tu peux mettre la valeur de cette maison-là chaque année. Alors, c'est ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. C'est qu'il y a les investissements, tu es jeune, il ne faut pas être pressé pour commencer à faire. Il faut faire les investissements à la hauteur de ta capacité, à tes finances, tu vois. Tu es jeune, tu commences à te battre, commence à faire petit à petit. Au fur et à mesure, ton cash va augmenter. Au fur et à mesure, il y a des moments assez près à Dieu, il y a les investissements que moi je ne pourrais plus faire. Si on vient me proposer, si c'était peut-être 2 états, 3 états, 4 états, moi je pourrais pousser, ça sera plus à ma taille. Je vais peut-être cibler les 100 états, les 200 états, les 300 états. Pourquoi? Parce que j'aurai assez de cash flow pour aller loger mon capital à l'intérieur. C'est-à-dire, commencez progressivement et faites les investissements en fonction de tes capacités. Ne commence pas à garder l'argent. Tu vois, il y a d'autres, tu vois des gens, ils sont en Europe, là, ils viennent d'acheter les grandes maisons au village, ils laissent. Puis il y a la banque qui est là, il est en Europe, il envoie l'argent, mais la propriété n'est pas là. Il vient en Europe, il fait 2 semaines, 1 mois, il repart. Il a laissé un capital au sol. Ce capital-là, quand il va finir de prendre sa retraite en Europe, quand il va venir ici, là, pendant que toi, tu as le monde de 30 ans, tu as compris, tu as commencé à investir dans l'agriculture. Même si tu cultives uniquement que le cacao, à la fin de ta saison, quand ton ami ou celui qui a mis la maison, toi, tu as peut-être seulement tes 15 hectares de cacao. Je t'assure que chaque année, tu vas faire au minimum 30 millions de francs CFA. Les 30 millions de francs CFA, si tu connais cultiver, 30 millions de francs CFA, tu pourras mettre les maisons chaque année. Tu pourras acheter les maisons chaque année jusqu'à ta mort. C'est ça avec l'agriculture. L'agriculture, ça te donne un réel cash flow. Donc, ne néglige pas l'agriculture parce que c'est un business qui est bon. Pour le moment, tu ne payes pas les impôts. Pour le moment, tes employés ne sont pas trop des gens physiques. Ce sont les plantes. Ça te donne l'argent même quand tu dors. C'est un bon business. C'est qu'il faut un peu te former. Si tu as une petite formation là-bas, tu serais libre, tu ne vas plus envier quelqu'un. Il ne faut pas gagner beaucoup. Quand peut-être je parle, si je te parle, tu m'écoutes beaucoup, tu vas peut-être croire que je gagne beaucoup. Je ne gagne pas beaucoup, sincèrement. Mais ce que je gagne, ça me permet de me vibrer. Donc, ça dit, je vous ai dit dans la vidéo précédente, il faut savoir ce qui vous font vibrer. Qu'est-ce qui fait vibrer? C'est quand tu as une grosse voiture, c'est quand tu as une grosse maison, c'est quand tu as un salon en cuir chez toi, c'est quand tu as les gros costumes. Qu'est-ce qui fait vibrer? Quand tu vas connaître ce qui te fait vibrer, tu vas travailler pour ça. Ce sera ton centre de production. Mais il faut savoir ce qui te fait vibrer. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup. J'ai juste besoin de ma liberté. Par exemple, toi, tu me regardes. Peut-être demain ou le soir, tu vas aller au travail. Je ne suis pas en train de te vexer. Peut-être le soir, tu vas aller au travail. Demain, tu vas aller au travail. Tu es en train de réfléchir. Mais moi, je ne réfléchis pas pour ça. Moi, je ne sais pas quand je fais. Bien sûr que j'ai une lourde responsabilité de gérer mes plans. C'est toujours une responsabilité. Personne ne dort pas dans la vie, on travaille. Mais c'est que je n'ai pas la même pression comme toi. C'est-à-dire que tu as ton petit capital, essaie de voir une petite terre, tu achètes, ou même tu loues, tu n'as pas les moyens, tu commences à faire un peu, tu vas me dire la suite, tu vas m'appeler, tu vas me dire le conseil que tu m'as donné était très bien, et j'ai trouvé mon compte. Et c'est ce que je veux que tu me dises, après avoir vu cette vidéo, que ce que je t'ai apporté aujourd'hui, ça t'a permis d'améliorer, ça t'a permis de comprendre que au départ, tu es jeune, il ne faut pas que tu commences à te construire, à construire ta maison. Même ça, prochainement, j'ai fait une autre vidéo, je vais t'expliquer la rentabilité de deux investissements, la plantation et l'immobilier. Mais pour le moment, je te demande, ton petit capital que tu as, ne le stoppe pas, ne le garde pas en banque, parce que ton taux d'intérêt est faible. Ne le garde pas sur un terrain, n'achète pas un terrain, tu le laisses, tu vois, tu regardes ça et tu paies les intérêts de ton crédit pour ça. C'est pas bon, tu n'as pas bien compris l'investissement. N'achète pas une maison que tu vas habiter, tu vas venir faire 2 semaines, tu pars. Non.
exploite ton capital, exploite ton trésor de pertes. C'est ce que je veux dire de lui. Et l'agriculture est le mieux plié. Ce n'est pas pourtant que je te conseille de faire l'agriculture, mais je te propose que c'est une bonne chose. Parce que moi, je suis passé par là. J'ai vu comment ça me donne une certaine liberté absolue. Et que j'ai besoin, et tout le monde a besoin de cette liberté-là pour ne plus réfléchir à travailler pour de l'argent. Donc, je te souhaite beaucoup de courage. Si tu as moins de 30 ans et commence à prendre tes responsabilités en main, tu peux prendre ta retraite dans 3 ans, tu peux prendre ta retraite en 4 ans. Il faut juste savoir ce qui te fait vibrer. Ce n'est pas le compte en banque, ce n'est pas les grosses voitures. Non, il faut savoir ce qui te fait vibrer. Arrête de comprendre les conseils que tu vas prendre à une passe par là et commence à travailler, réfléchir pour ça. Tu as les valeurs sur l'agriculture, l'immobilier. Travaille pour ça. Et je te donne beaucoup de, je t'encourage beaucoup, tu en profites. Et si tu es coincé, tu as des difficultés, tu appelles, mon WhatsApp est disponible pour ceux qui me contactent. Moi, j'apporte toujours les réponses, je vous donne des conseils en ligne, partout. Je vous aide à voir, à diriger vos propres plantations. Ça, moi, je vous en prie. Ceux qui ont déjà bénéficié peuvent en témoigner. Donc, beaucoup de courage pour toi qui as moins de 30 ans. Et sache que tu peux encore, même si tu as commencé de zéro, arriver à l'économie. Je te remercie. Ciao.